Déjà, bonjour à tous. Savez-vous que certains virus sont capables d'induire des cancers? Un exemple. Chez l'homme, il existe un virus bien connu, le virus de la mononucléose, qui, chez des personnes dont le système immunitaire est éteint, d'engendrer un cancer. Je vais étudier ce phénomène de cancer induit par un virus. Mais attention, je ne vais pas l'étudier chez l'homme. D'un point de vue éthique, ce ne serait pas très correct. Je ne peux pas éteindre le système immunitaire d'une personne, lui injecter le virus et attendre qu'un cancer se forme. Alors, je vais étudier dans un organisme modèle, le poulet. Alors, pourquoi le poulet? Il est infecté naturellement par un virus qui, tout comme le virus de la mononucléose chez l'homme, engendre un cancer. L'avantage d'étudier dans un organisme modèle, c'est que je vais pouvoir étudier en profondeur le mécanisme de cancer induit par un virus, mais aussi d'étudier la relation qu'a le virus avec son hôte, donc le poulet. Parce qu'en effet, lorsqu'un virus infecte le poulet, il ne va pas rester là à rien faire, à attendre. Il va prendre des outils et les utiliser afin de pouvoir se multiplier, se défendre contre le système immunitaire, mais aussi générer un cancer. Alors, durant ma thèse, je vais étudier plus précisément deux outils, miR-126 et miR-223. Bon, pour éviter les noms barbares, je vais les appeler Ursule et Pétula. Ursule et Pétula auraient un effet protecteur contre le cancer. Je dis bien auraient. C'est une hypothèse. Mais je me permets de le dire parce qu'il a été observé que lorsque le virus infecte le poulet, l'effet protecteur d'Ursule et Pétula diminue. Donc on s'est dit, peut-être que c'est le virus qui va diminuer l'effet protecteur d'Ursule et Pétula afin de pouvoir se faciliter la tâche pour générer un cancer. Donc, à la fin de ma thèse, j'aimerais valoriser cette théorie, et si c'est vrai, on pourrait utiliser Ursule et Pétula comme une nouvelle source thérapeutique, plus précise, avec moins d'effets secondaires pour le patient. Donc vraiment, mon idée, ce serait que les outils utilisés par le virus pour générer un cancer, je les utilise comme arme contre le cancer. Merci.